Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Alerte! Capitaine! Alerte! Capitaine! Capitaine! Qu'est-ce qui se passe? Là, là, dans le jardin, votre fille, ils l'ont enlevée. Ils ont enlevé votre fille. Les thugs. Je t'offre la vie de la créature la plus précieuse. Entrez. Le capitaine Macpherson vient d'arriver, mon général. Bon, faites-le entrer. Bonjour, capitaine. Macpherson, j'ai le plaisir de vous informer que votre demande vient d'obtenir satisfaction. Merci, mon général. Les crimes des thugs ont suscité de très violentes réactions et la population est effrayée. Aussi, le gouverneur a décidé d'organiser immédiatement une expédition punitive contre eux, et c'est vous qui êtes chargé de la commander. Bien, mon général. C'est pour cette raison que le gouverneur a décidé de vous rappeler en activité. J'ai confiance en vous et je suis certain que vous mènerez à bien la mission à laquelle vous avez déjà consacré tant d'années. Mon général, je vous promets de détruire cette secte diabolique et de retrouver ma fille. De fâcheuses circonstances ont fait que nous n'avons pas pu prendre jusqu'à aujourd'hui des mesures efficaces. L'Inde est un pays étrange, vous le savez. Les superstitions religieuses influent souvent sur les questions politiques. Oui, je le sais mieux que personne. C'est pourquoi j'ai démissionné lorsque ma fille a disparu. Et au cours de mes recherches, le gouvernement n'y a jamais été mêlé. Capitaine, sachez que durant ces années, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt l'action que vous meniez. Oui, durant 15 ans, j'ai couru la jungle. Et j'ai sacrifié tout mon temps et toute mon énergie. Vos efforts n'ont pas été inutiles. S'ils ont servi à quelque chose, j'en suis heureux. Allez au quartier général, et là, on vous donnera le matériel et tous les hommes qui vous seront nécessaires. Pouvez-vous me dire, capitaine, dans quelle région vous avez l'intention d'opérer?
Eh bien, l'île des serpents est, à mon avis, le repère de la secte des Thug. C'est là qu'ont lieu tous leurs sacrifices mystérieux. J'en suis sûr. C'est dans l'île des serpents que j'ai encore une chance de retrouver ma fille. Nous ferons la plus grande partie de ce voyage en bateau et nous continuerons en faisant le portage des canaux et pénétrerons alors dans la profonde et mystérieuse jungle noire. Aujourd'hui est un grand jour de fête. Voici enfin que celle choisie par nos livres sacrés pour être l'incarnation sur terre de notre déesse Kali vient d'atteindre sa 20e année. Inclinez-vous devant la Vierge sacrée. Thug, regardez, voici devant vous l'incarnation vivante de Kali. En son nom et pour elle, vous combattrez et vous anéantirez ses ennemis. Mort et damnation à qui osera poser un regard impur sur la Vierge sacrée. Mort et damnation, gloire à Kali. Mort et damnation, mort et damnation, mort et damnation, mort et damnation. Quelque chose, Barata? Non, rien, capitaine. Merci, Windy. Et moi, depuis quand es-tu dans l'armée? Depuis 6 ans, mon capitaine. Eh bien, tu as dû t'engager très jeune. Oui. C'est parce que les Thugs ont étranglé mon père. Vous voyez, capitaine,
J'ai une bonne raison de vouloir trouver ces maudits chiens pour venger mon père. Je comprends, Winnie. Capitaine, il faut s'arrêter. Si nous continuons avec ce bateau, nous risquons de nous échouer. Oui, ce qui est pire, d'être repéré. Eh bien, accostez le plus vite possible et trouvez un abri. Faites débarquer les canots. Bien, capitaine. Préparez-vous à accoster! Joli coup, Trevalnet. Merci, Kamamori. Ça nous fait 4 serpents en quelques heures. Avoue qu'il y a de quoi être satisfait. Les barques seront tellement chargées de peau qu'elles vont couler. Je pense que nous allons devenir fabuleusement riches. Oui, à moins que nous ne soyons tués avant. Un serpent nous tuer? Oh, ce n'est pas les serpents que je crains. Ce serait plutôt les thugs. Oh, les thugs. Les thugs n'existent que dans ton imagination. Je continue à penser que ce n'est pas prudent de rester par ici. C'est très dangereux. Dans ces îles, il y a un peuple féroce. Ourti dit qu'ils ont une religion barbare. Mais que viens-tu me conter là? Je suis un chasseur, jeune personne. Attention! Concurrente sérieuse, une mangouste. Plus à droite que nous. Oh, c'est une très bonne leçon. Fais dépouiller ce cobra, je vais dans la palmeraie. Peut-être pourrais-je y chasser. Laisse-moi. Je vais aller jusqu'au lac. Je veux être un peu seule. Mais qu'as-tu ce matin? Tu as l'air si triste. Je n'en sais rien. Ne t'éloigne pas trop. Oh, mais tu es pire qu'un gardien. Voilà peut-être ce qui me rend triste. Je ne fais qu'exécuter les ordres, tu le sais, Ida. Oui, je le sais. Pardonne-moi.
Hey, Malnick! Viens vite. Elle a disparu. Où est-elle partie? Qu'est-ce que tu racontes? C'est souvent qu'on se crée des illusions. J'ai vu une fille merveilleuse, Kamamori, qui avait des yeux. Jamais je n'ai rencontré une femme aussi fascinante. On m'a dit qu'il y avait des apparitions, surtout dans cette région de la jungle. Un jour, un de mes amis qui... Attends. Un chasseur... Une apparition? Regarde. Une apparition qui aurait perdu ce bijou. Bien. Allez, rejoignez la colonne. Par ici. Longue vie à la Vierge Sacrée. Et longue vie au grand prêtre de notre déesse. Vierge Sacrée, tu cours un grand danger. Et qui pourrait faire courir un danger à l'incarnation de Kali? Des hommes d'une autre race qui veulent s'opposer à notre triomphe. Et tu les crains. Tu m'as pourtant souvent dit qu'au premier signe, le peuple des Indes chasserait l'étranger. L'heure de la révolte n'a pas encore sonné. Nous n'avons peut-être pas fait assez de sacrifices à Kali. Est-ce qu'il faut encore du sang pour lui plaire? Oui, il en faut beaucoup. L'Inde devra faire couler un fleuve de sang si elle veut se laver de son infâme passé. À présent, tu ne sortiras plus du palais. Pourquoi? Je te l'ai dit, tu cours un grand danger. Mais c'est impossible. Crois-tu que je vivrai sans lumière ni soleil? Que je m'enfermerai dans ce souterrain? Laisse-moi sortir, laisse-moi vivre en liberté. De plus en plus, mon être crie et se révolte. Tu ne m'as jamais parlé de cette manière. Dis-moi, Suyodhana, est-ce que tu es bien certain que tu ne t'es pas trompé en interprétant nos livres sacrés? Est-ce que tu es vraiment sûr que je suis l'élu? Que c'est moi qui suis l'incarnation de la déesse Kali? Et que je suis destinée à apporter le bonheur et la prospérité à notre peuple? Je n'ai pas fait d'erreur. Tu es l'élu du peuple Thug.
J'aimerais savoir ce qui te fait parler ainsi. Quand je vois la couleur de ma peau, elle est si différente de la vôtre. Parfois, la nuit, je vois d'étranges images, mais si présentes. Et ces rêves n'ont rien de commun avec la vie que je mène maintenant. Et j'ai l'impression d'avoir vécu ailleurs. Fais très attention. Kali pourrait se venger de ton impiété. Non, non, pardonne-moi. Gundali! Oui, que veux-tu? Pourquoi ces cris? On amène de nouvelles victimes au sacrifice. Qui sont-elles? Tu les as vues? Des malheureux, de pauvres pêcheurs du grand fleuve. N'y a-t-il pas parmi eux un étranger jeune et beau? Non, non, je te l'ai dit, ce sont de malheureux pêcheurs. Cette expédition et contre qui est-elle dirigée? Réponds, va-t-elle? Elle va à l'île des serpents. Et contre qui? Contre les Thugs. Pour Kali. Donnez l'alarme, vite! Premier avertissement. Les ignobles Thugs, ils l'ont étranglé. Windy était un excellent soldat. Vous lui ferez rendre les honneurs. Le rapport, capitaine. Eh bien? Rien, capitaine. Nous n'avons rien vu. Revenons au camp. Des ombres, ils sont insaisissables. Renforcez la garde. À vos ordres. En avant! Il est tard, Tremalnek. Et à l'aube, nous devons être dans la jungle de Haïdal. Urti dit que les serpents y pullulent. On ne m'y verra pas, je regrette beaucoup. Je suis décidé à retourner à l'île de Rajimangal. Allons, ne pense plus à ce que tu y as vu, tu le regretterais. Tu ne sais pas ce que tu dis, Kamanmori. Si tu avais vu ses yeux, il reflétait une peur touchant à la panique et en même temps à un grand étonnement. Je veux la revoir, je veux la retrouver. S'il le faut, je passerai des jours à fouiller au plus profond de la jungle. Tu veux te suicider?
Il n'y a pas un habitant de ce pays qui ne tremble à la seule pensée d'avoir à s'approcher de l'île de Rajimangal. Tant pis pour eux. Je ne vois pas pourquoi j'aurais peur dans cette île. Et puis, je crois que cette jeune fille a besoin de moi. Mais sois tranquille. Je n'ai pas le droit de t'exposer pour une affaire qui ne regarde que moi. J'irai seul. Non. Mon existence a été liée à la tienne du jour où tu m'as sauvé. Je veux aller avec toi. Et prions notre dieu Brahma de daigner nous protéger. Non, je ne veux pas mourir. Non, non, lâchez-moi. Non, je ne veux pas mourir. Pitié, pitié, non, pitié. Je ne veux pas mourir, non, pitié. Lâchez-moi. Kali, accepte le sacrifice que nous t'offrons et protège les hommes de ta secte. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! 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 Abrité. Vous m'attendrez là. Oui, Saïb. Attends un moment ici. Attention, ne t'éloigne pas. Sois prudent, Tida. Nous y voilà. Elle était à cet endroit. Tu t'illusionnes si tu penses qu'elle va reparaître. Allons-nous-en. C'est imprudent de rester ici. Va-t'en, Kamanmori. Laisse-moi seul ici. J'ai l'impression que si tu restes, elle ne viendra pas. Et tu es ensorcelé? Allons, je t'en prie, reviens sur Terre. Tu devrais voir un médecin, Trémalnec. Oh non, non, je vais bien, Kamanmori, rassure-toi. Je l'aime. C'est tout. Va. Kamanmori, prends ça. Et toi? Ça doit suffire. Je savais bien que tu viendrais. Les dieux ont voulu que je te revoie. Non, ne me touche pas. Il n'y a pas un homme au monde qui ait ce droit. Pourquoi ce que tu dis est dénué de sens? Crois-moi, je suis différente des autres. Ne reviens plus jamais dans cette île et ne dis à personne que tu m'as vue, je t'en prie. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Ils te prendraient et te tueraient. Qui ils? Les hommes qui vivent dans cette île. Ils n'éprouveraient de pitié ni pour toi, ni pour moi. Je n'ai pas peur de ces hommes. Quels qu'ils soient, je les affronterai. Gundali! Où est Ida? Elle n'est pas loin. Elle est allée du côté du lac. Je ne saurais te dire comme je le désirerais. Mais depuis le moment où tu as disparu si mystérieusement, pas un seul instant, je n'ai cessé d'avoir ton visage devant les yeux. Non, non, arrête pas cela. J'ai tort, je ne dois pas t'écouter, je n'en ai pas le droit. Pourquoi dis-tu cela en venant ici? Tu avais une raison. Réponds-moi, je veux savoir pourquoi tu n'as pas le droit de m'écouter. Je t'en prie, cesse de parler et va-t'en.
cette broche est à toi. Prends-la. Non. Je t'en prie. Je veux que tu la gardes. Très mal, Nick. On vient de se goder. Si Parfois. Jamais il te voyait, il te tuerait. Allez, vite. Ida! Ida! Je sais ton nom maintenant. Ida! Ida! Tu sais très bien que je t'ai interdit de sortir. J'ai eu soudain un grand désir de voir le soleil. Et toi? Tu as osé, tu as désobéi malgré mes ordres. Gundali n'est pas coupable. Je lui ai dit de m'attendre et elle m'a obéi. Il y a un instant, on m'a signalé qu'une embarcation inconnue était sur la rive. Rentre immédiatement. Tu as entendu? C'est probablement notre barque. Allons-nous-en. Et j'en reviendrai. Je veux la revoir. Agour, Ourti. Agour. Les Tog. Pauvre Agour, c'était un bon ami. Mais Ourti, je pense qu'ils l'ont capturé pour un de leurs sacrifices. Bien vite, il faut le sauver. Nous devons tout tenter. Encore. Vas-tu parler? Vas-tu enfin décider? Je l'ai déjà dit, j'ignore qui est le capitaine MacPherson. Je n'ai jamais vu cet homme. C'est ici que tes amis veulent venir. Ils veulent profaner notre temple. Et il suffirait que je tourne cette roue pour que l'eau du fleuve s'engouffre dans ce souterrain et dévaste tout. Tu vas parler, qui t'a amené sur notre île? Mais je vous ai déjà répondu. Mon compagnon est chasseur et je suis son aide. On nous avait dit qu'il y avait un grand nombre de serpents sur votre île. C'est pour ça que nous sommes venus. C'est la vérité. Pourquoi ne croyez-vous pas? Comment se fait-il que tu étais dans la barque et non à terre? Nous voulions attendre le coucher du soleil. Parce qu'au crépuscule, les serpents sortent des roseaux. Dis plutôt que tu attendais un homme qui était venu dans l'île. Non. Nous étions deux seulement. Tu as répondu trop vite? Tu sais ce qui t'attend? Tu le sais. Mais si tu parles, tu pourras avoir la vie sauve. Vous êtes des thugs. Vous n'avez aucune pitié, vous êtes sans parole. Je mourrai, même si je parle. Faites ce que vous voudrez. Détachez-le! Nous allons le sacrifier à Kali. Nous verrons s'il sera aussi courageux devant la mort. Gundali, raconte-moi encore. Je t'ai répété ces mêmes choses tant de fois. Tu devrais être fatiguée de les entendre. Oh non. Quand tu parles de ces merveilleux endroits que pourtant je devrais ignorer, ces palais et ces grandes cités entourées de merveilleux jardins, et ces peuples qui vivent heureux et libres, j'ai la même sensation chaque fois. J'ai l'impression de connaître ce monde. Eh bien, peut-être que dans une autre vie... Non, dans celle-ci. Je pourrais le jurer. Non, je ne suis pas venue au monde pour tuer, pour servir une déesse avide de sang. Maïda,
Que viens-tu de dire? Tu es la vierge que les livres sacrés et la déesse ont choisie. Tu n'as pas peur de ce que tu as dit? Tu as prononcé des paroles sacrilèges? Qu'est-ce qui te fait oublier à ce point ce que tu es? Est-ce ce jeune homme que tu as rencontré qui te jette dans ce trouble? Ne me rappelle pas cet homme. Je voudrais tant l'oublier. Il doit y avoir une raison. J'ai rencontré bien des hommes dans mon existence et aucun jusqu'ici n'a suscité en moi cette émotion. Mon cœur s'est arrêté et j'ai perdu le souffle quand je l'ai aperçu. Ce sentiment-là, on l'appelle l'amour. L'amour? Qu'est-ce que c'est? Cela veut dire qu'à un certain moment au cours de ta vie, l'univers tout entier ne semblera plus à tes yeux n'être peuplé que d'une personne. Et ainsi, les choses que tu vois ne te paraissent séduisantes qu'autant qu'il les voit aussi. Et pendant qu'il est loin de toi, tu désires dormir afin de rêver qu'il est là. Alors, je suis amoureuse. Non, tu ne peux pas. Tu dois rester la Vierge sacrée. Et pourquoi m'interdire ce qu'on permet à toutes les autres jeunes filles? À toi, par exemple. Oh, moi, je ne suis qu'une pauvre esclave. Mon avenir est déjà tracé, rien ne le changera. Mes parents m'ont vendue à Suyodhana pour que je serve dans ce temple et que j'honore la déesse. Ce sera mon destin. Tant que ma jeunesse et mes forces le permettront. Et quand je serai vieille... Tes parents et les miens, ils m'ont peut-être vendue eux aussi lorsque j'étais toute jeune. Pourquoi personne ne me parle jamais de mes parents? C'est un secret qui est connu seulement de Suyodhana et de Machiadi. Tu ne sauras jamais qui ils sont. Pour ces hommes, et pour tous les membres de notre secte, tu es la Vierge sacrée. Crois-tu qu'un jour je reverrai ce jeune homme? Eh bien, s'il ressent pour toi ce que tu ressens pour lui, je pense qu'il voudra te revoir à tout prix. Et même s'il doit y laisser sa vie. Oh non, je ne veux pas qu'il meure. Je préfère qu'il ne revienne jamais sur l'île. Encore un sacrifice. Oh, j'ai peur, Gundali. Je tremble d'inquiétude. Va, je t'en prie, va voir qu'ils vont sacrifier et reviens vite. Tu n'as rien vu, Kugli? Non, aucune trace. Rien que les vautours qui dévorent le cadavre qui est dans la barque. Alors rentrons. Suyodhana a donné l'ordre de ne pas nous montrer. L'île doit sembler déserte, comme tout le monde le croit. Tu as entendu, il ne se doute pas que nous sommes là. Malnek.
Emmène Ida. Par ici, vous tous. Les veuves vivants. Avancez. Allons. Merci, Ida. Ida! Ida! Cache-toi là. Et toi aussi, vite. Suyodhana a le droit d'entrer dans mes appartements et s'il te voit, il te tuera. Pourquoi as-tu mis tout ce temps? Je n'entendais pas. Quand j'ai vu tous ces hommes, j'étais affolée. J'ai eu peur qu'ils n'entrent ici. C'est la première fois que des étrangers entrent dans le temple. De toute manière, ils n'en sortiront pas. Ils devront mourir pour avoir profané ce lieu sacré. Que viennent faire ici ces hommes? Que veulent-ils? Je l'ignore. Mais ils sont aussi audacieux que résolus. Cela ne me surprendrait pas qu'ils aient osé profaner aussi cette chambre. Suyodhana! Quoi? Pendant que tes hommes étaient à leur poursuite, ils ont essayé de pénétrer ici. Et c'est pourquoi je craignais de t'ouvrir. J'ai pensé que c'était eux et j'ai eu peur. Est-ce qu'ils t'ont parlé? Oui, l'un a même crié « Sauve-nous, Vierge sacrée du temple de Kali, sauve-nous !» Mais j'ai gardé le silence et ils sont partis. Machadi va placer deux gardes devant ta porte. Toi, n'ouvre à personne. Je ne sais pas quel est ton nom, mais je viens de trahir ma foi et mon peuple pour toi. Qui es-tu? Quel est ton nom? Je suis Tremalnek. Je suis chasseur. Pourquoi es-tu venu ici? Un de mes hommes était en danger. Mais de toute manière, c'était mon intention de venir. Écoute, dès que tu m'es apparu, j'ai eu une étrange sensation. Je me suis rendu compte que tu réalisais mon rêve. Et j'ai
J'ai décidé de t'emmener avec moi. Oh non, c'est impossible. Tu ignores ce qu'est ma vie. Maintenant, je le sais. Et quels hommes sont ici? Je sais qu'ils te gardent prisonnière. Et qu'ils t'obligent à adorer une cruelle et sanguinaire divinité. Oh, ne dis pas ça. Kali nous écoute et sa colère peut retomber sur toi et sur moi. Pardon, Kali. Je t'en prie, pardonne-moi. Tu as tort de croire en cette Kali. Elle n'existe pas, c'est le fanatisme de Suryodhana et de ses complices qui l'a créée. Ils veulent terroriser l'Inde et la dominer. Arrête, je ne dois pas écouter ce que tu dis. Je suis l'incarnation de Kali. Non. Tu es une jeune fille, comme toutes les autres jeunes filles, faite pour aimer et non pour des œuvres de haine. Et la meilleure preuve, c'est que tu m'as sauvée alors que tu me condamnais en disant un seul mot. Et si tu ne l'as pas dit, c'est parce que tu m'aimes. Je t'en prie. Inutile de le nier. Je te conduirai loin d'ici, dans un monde que tu ignores. Un monde où l'on est libre de faire ce qu'on veut, d'aller où l'on veut et de s'aimer. Et alors, tu deviendras ma femme. Non. As-tu confiance en moi? Mais nous serons perdus. Ils nous rechercheraient et ils se vengeraient. N'aie pas peur. Ils ne poursuivront personne. Ça ne peut continuer. L'Inde va être débarrassée à tout jamais des tueurs, les thugs. Alors, ma vie dépend de ta décision. Cette nuit, ils abandonneront les recherches. Ils croiront que vous vous êtes enfui. Je vous conduirai dans la forêt. Et ensuite, j'irai avec toi. Les patrouilles sont de retour. Aucun résultat. Les pêcheurs qui ont été rencontrés sont terrorisés. Il est possible qu'ils ne savent rien ou bien qu'ils ont peur de parler. C'était prévu, hélas. C'est difficile, capitaine. Oui. Qu'est-ce qui est difficile, Bharata? Tu as perdu confiance? Cette île aux serpents, il faudrait être des milliers. Elle est coupée par des canaux en tous les sens. Oui, je le sais. Mais nous réussirons parce qu'il le faut absolument. Oui, Bharata. Et je compte beaucoup sur toi. Vous le pouvez, capitaine. Très bien. Va te reposer maintenant. Demain, nous continuerons à fouiller l'île dans tous les sens. Et j'espère trouver les thugs et les anéantir. Je l'espère autant que vous, capitaine. Bonne nuit. Tes ordres ont été exécutés. J'ai veillé à ce qu'ils le soient. Les hommes sont prêts, ils sortiront quand ils entendront le gong. Bon. Cela inquiétera les étrangers et ils se montreront. Et si nous n'arrivons pas à les découvrir, nous demanderons à Kalabag de nous aider. Kalabag! Un ami fidèle, Kalabag. Cette nuit, non seulement tu devras garder ton maître, mais aussi tu devras punir ses ennemis. Donne-moi la chemise du prisonnier, Mathieu. Je veux que tu trouves l'homme qui portait ceci. Il faut le trouver et le tuer, Kalabag. Thank you.
pas le droit de sortir. J'ai des ordres. Conduis-moi à Suyodhana. Je veux lui parler. Jida Kamamori. Emparez-vous de lui! Tu es un homme courageux, Trémalnek. Comment? Tu sais mon nom? J'ai convaincu la jeune fille que tu aimes qu'elle devait me le dire. Convaincu? Tu as osé la brutaliser? Je n'ai pas à te répondre. Ici, je suis le seul à poser des questions. Tu as du courage. Et cette qualité me plaît beaucoup. Tu t'es attaqué à Kalabag et tu l'as vaincu. C'est un exploit. Assez! Si tu veux me tuer, fais-le. Mais épargne-moi ces paroles inutiles. Quand tu m'auras écouté, tu te rendras compte que ce ne sont pas des paroles inutiles. Tu as eu l'audace de faire ce qui est pour nous le plus affreux sacrilège. Poser tes regards sur la Vierge sacrée. Tu lui as parlé d'amour. Pire encore, tu as réussi à faire en sorte qu'elle t'aime. Seul un fou comme toi, un fanatique, pourrait imaginer qu'une femme comme Ida supporterait cette vie de prisonnière jusqu'à sa mort. Tu as détruit l'œuvre de nombreuses années. J'avais créé un être parfait, insensible aux sentiments humains. L'incarnation sur notre terre de la déesse Kali. Et puis un souffle humain a suffi pour détruire l'œuvre de tant d'années. Oui, si tu en as envie. Mais je crains que tu ne ris plus autant lorsque tu sauras que ce grand amour, dès ce soir, coûtera la vie à la Vierge sacrée. Non, si fou que tu sois, tu ne feras pas ça. Ou je te tuerai. En t'aimant, elle a entaché sa pureté, elle mourra donc dès ce soir aux pieds de Kali. Non, ce serait injuste. Je suis le seul responsable. Je l'ai convaincu qu'il fallait fuir, qu'il fallait m'aimer. Tue-moi. Que je meure dans les pires tortures, mais ne touche pas, Ida. Écoute. Tu peux la sauver. Moi? Et comment? Dis vite, je le ferai. Seul un sacrifice peut purifier notre Vierge sacrée. Si c'est moi que tu veux sacrifier, je suis prêt. Non. Non, attends. Un de nos plus mortels ennemis, le capitaine MacPherson, est en train de conduire une expédition contre nous. Il a déjà pénétré sur notre territoire et il n'est plus très loin d'ici. Apporte-moi sa tête. Et je t'en fais la promesse. Ida, ton Ida, aura la vie sauve. Ce que tu demandes est impossible. De sang-froid. Assassiner un homme. Non, c'est impossible. Tu refuses? Un mot de moi et le sacrifice d'Ida est décidé. Tout est déjà prêt. Seules les flammes la purifieront. Elle sera brûlée vive afin que la déesse soit vengée. Les flammes du bûcher s'élèveront. Elles viendront lécher sa chair, arriveront à son visage. La douleur deviendra insupportable et elle hurlera. Elle hurlera en te maudissant. Non, assez! Je ferai ce que tu veux.
Très bien. Machadi va t'expliquer notre plan. Voilà ce que tu dois faire. Je te conduirai jusqu'au camp. Ensuite, tu devras ramper pour arriver à la tente où couche le capitaine MacPherson. Mais rappelle-toi, je ne partirai pas, je te surveillerai. Et tu devras rapporter la preuve que tu l'as tué. C'est un acte qui exige deux qualités, ruse et courage. Tu les possèdes toutes les deux. Mais ne t'avise pas de trahir. Si tu ne reviens pas d'ici 3 jours, Ida mourra. Tu partiras cette nuit avec Machadi. Emmenez-le. Quand Ida apprendra qu'il a tué son père, elle ne pourra que le haïr. Et elle redeviendra ensuite la parfaite incarnation de Kali. Tu sais ce que tu dois faire. Oui, je le sais. Le campement est par là. Je t'attendrai près de la barque. Je guetterai ton retour. Quand tu reviendras, imite 3 fois le cri de la chouette. Et j'irai à ta rencontre. Mais rappelle-toi, si jamais tu nous trahis, Ida mourra. Je tiendrai ma parole. Mais si on touche un cheveu d'Ida, je vous tuerai. Pas un geste. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens faire? Cette femme, qui est-ce? Pourquoi me demandes-tu cela? Je la connais. Tu ne peux pas la connaître, c'est ma femme, elle est morte. Non, 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 c'est Ida. Ida? Tu as vu ma fille? Réponds, est-ce qu'elle est vivante? Tu es son père. Réponds, je te dis, est-ce qu'elle est vivante? Oui, elle est vivante. Mais où est-elle? Dans le temple des Togs. Et elle est en danger. Bata! Bata! Viens ici, assieds-toi. Dis-moi tout ce que tu sais. Très mal, mec. Très mal, mec. Enfin, ça fait plus de 15 ans que j'attends le moment de te faire payer. Avec les intérêts qui te sont dus. Pour ça. Thank you.
Je voulais venir tout seul. Je vais te faire payer tes crimes. Je te le promets. Ça fait 2 jours que je suis enfermée. Que se passe-t-il? Je ne sais rien. Comment as-tu pu entrer ici? À la porte, il y a un garde qui m'est tout dévoué et il m'a laissé passer. Qu'est-il arrivé à Trémalnec? Je l'ai vu sortir la nuit dernière. Il est sorti? Suyodhana l'a laissé partir? Mais c'est impossible. Oh, moi non plus, je n'aurais jamais cru ça. Mais je l'ai vu partir avec Machiadi. Avec Machiadi? Alors tu peux être sûr qu'il se trame quelque chose d'affreux. Suyodhana n'agit jamais sans arrière-pensée. Je peux te l'affirmer. Quelqu'un vient. Cache-moi vite. Va par là. Vierge sacrée. Ton cœur était condamné à ne jamais battre d'amour. Malgré cela, il s'est mis à battre pour un étranger avec qui tu as parlé dans la jungle. Si tu veux rester en vie, oublie cet homme. Mais tu demandes l'impossible, Suyodhana. L'impossible. Ma vie sans lui n'aurait plus de sens. Je préfère mourir. Aie pitié. Laisse-moi partir. Je ne dirai rien. Je ne parlerai ni de toi ni du temple. Choisis une autre jeune fille pour prendre ma place. Une autre jeune fille? Crois-tu donc que c'est par hasard qu'on t'a choisi? Il était écrit dans nos livres sacrés que toi seule étais la réincarnation vivante de Kali. Oui, toi, Ida. Toi, la fille du capitaine MacPherson. MacPherson? La fille du capitaine MacPherson. Nous t'avons enlevée quand tu étais une enfant. Et nous t'avons amenée ici pour faire de toi une divinité. Je ne suis même pas de votre race. Je peux alors vous détester et aussi vous maudire, toi et ta monstrueuse Kali. Et toi? Tu veux donc que la colère de Kali retombe sur nous? Tu dis que tu nous détestes. Prends patience. Bientôt, tu haïras l'homme que tu dis aimer. C'est l'heure, Bharata. Si tout va bien, nous arriverons auprès du temple vers minuit. Quand nous entendrons battre les gongs, la cérémonie commencera. Les thugs seront réunis, il n'y aura pas de sentinelles. Que tout soit prêt. Donne l'ordre de lever le camp, nous allons bientôt partir. À vos ordres. De buffles sauvages. S'ils se dirigent vers nous, il faut absolument essayer de les éloigner du campement, compris? Et qu'aucun homme ne tire. À vos ordres, capitaine. Rassemblement! Prenez des torches! Allons, allons, dépêchons! Et que personne ne tire! Oui, capitaine. Que personne ne tire! Abritez-vous derrière les arbres! Allez, dépêchez-vous! Écartez-les avec les torches! Thank you.
va là? C'est moi, Remalnek. Avance. Que portes-tu? Va dire à Suyodana que je lui amène le corps du capitaine MacPherson. MacPherson? Allez, va vite le dire à ton maître. Tenu ta promesse. Aussi, je tiendrai la mienne. J'ai essayé de te servir du mieux que j'ai pu. Que la Vierge sacrée vienne au temple. Allez, courage! Barata, maintenant que je sais où est ma fille, je compte sur toi et sur nos hommes. Pressons, il ne faut pas perdre de temps. En avant! Pressons! Puissante, invincible et impitoyable déesse, pardonne-nous. Le sacrifice que nous t'offrons purifiera le corps et l'âme de la Vierge sacrée. Et la victime est devant toi. C'était notre plus grand ennemi. Allez. Il faut agir très vite si nous voulons la sauver. En avant! Ô Vierge sacrée, regarde bien. Tu vas voir le cadavre de l'homme tué par Tremalnek. Le cadavre de ton père. Tu as encore aimé celui qui l'a tué? Regarde! Tu vas mourir! Mettez-vous en position, devant l'entrée! Tremalnek n'avait pas menti. Ils se croient tellement à l'abri dans leurs repères qu'ils n'ont même pas placé de sentinelle. Ma fille est là pourvu que nous n'arrivions pas trop tard. Allons-y. Suivez-moi. Thank you.
Tu vas connaître le bonheur. Tu verras les grandes cités. Un monde libre, sans haine. Tu connaîtras enfin l'amour. Ah. Ida, ma fille. Tu n'es pas vainqueur, Trémalek. Nous mourrons tous. Le fleuve sacré va inonder le temple et le palais et nous engloutir. Il n'y aura pas un seul survivant. Quartier général, mon capitaine. Merci, Barata.
C'est du général. Il m'envoie toutes ses félicitations. Et il m'informe qu'une révolte vient d'éclater à Bornéo. Et il me propose, si je consens à diriger cette expédition, de me faire passer au grade supérieur. Oh, père, que vas-tu répondre? Bien, je crois qu'un père qui est éloigné de sa fille pendant 15 ans a énormément de temps à rattraper. Oh, merci, père. Bien, il faut que j'aille répondre à cette lettre. À tout à l'heure. Dis donc, Barata, tu approuves ma décision? Ah oui, capitaine. Mais je reste à votre service? Bien sûr. À condition que tu t'occupes des bébés. Comment? Ah oui.